se demander pourquoi le journaliste on le voit mal entre guillemets. Après, ce qui doit être odieux pour un journaliste, c'est que par exemple, il va trouver des informations, je sais pas moi, des informations, là. Mais que lui, il est contre ces informations. Est-ce qu'il va faire en fonction de... Sous la dictature, alors. Est-ce qu'il va faire... Non, est-ce qu'il va faire en fonction de son point de vue? Est-ce qu'il va faire en fonction de... Il y a des limites, en fait, c'est pas... Tu n'as pas le droit de mettre tout ce que tu veux. Bah oui, on n'a pas... C'est bien, journaliste, des fois, il faut que tu cherches quelque chose dans un meurtre qui a été causé. Des fois, c'est pas très sympathique. Mais oui, mais même, le truc d'aller en Syrie, on te dit, va en Syrie, t'as vraiment envie d'y aller, toi, faire un reportage. Bah oui, parce qu'au Club Journal, on est un petit peu des apprentis journalistes, parce que... Bah, mais c'est sûr, je dis ça, Nous, on fait ça, on écrit des articles, on cherche des informations sur Internet. Mais des vrais journalistes, il va aller sur place et il va... Bah, il y a un site, je crois qu'il y a des... Et il va interroger, il va passer... Ça, ça serait bien de se mettre dans la peau d'un journaliste. Les journalistes, des fois, ils viennent fouiller dans la vie des gens, mais qu'ils veulent pas, souvent, c'est ça. Ils fouillent comme ça, ils demandent même pas l'accord des autres, donc c'est pas très sympathique pour ceux qui veulent pas être filmés, ils ont pas eu d'accord ni rien. Mais c'est leur métier. Enfin, moi je trouve non, que je suis pas d'accord avec toi. Ouais. C'est leur métier un petit peu quand même. S'ils le faisaient pas, il y aurait rien. Oui. Pourquoi pas se mettre dans la peau d'un journaliste, comme on avait dit, voilà, le temps d'une journée, qui prépare son article ou qui va faire une conférence de rédaction comme ça à l'étranger ou... On ne fait pas confiance aux gens, aux jeunes. Aux jeunes, parce t'as trop de clichés, de... On est jeunes, genre les jeunes, parce qu'ils ont l'image. Et encore, ça dépend à ta tête, hein, parce qu'il y en a qui sont directement rejetés. L'image des jeunes, pour eux, c'est rien faire. Ils parlent, il y en a, ils ont directement peur. Boire des sodas, manger n'importe quoi, et se mettre devant la télé. C'est ça que les gens... Ils ne laissent pas prouver que ce n'est pas vrai, parce que... C'est vrai, il y en a, c'est ça. On va pas se mentir, il y en a beaucoup, c'est ça. Mais parce que les jeunes, ils savent rien faire. C'est comme Winona le disait. Winona le disait qu'en fait, au lieu de faire beaucoup d'études, on devrait faire plus de pratiques. Voilà. Ouais, moi, je me dis quelque part que déjà, si l'on a des problèmes de chômage à cette heure-ci, quand on sera plus grand et qu'on aura besoin de travailler, qu'est-ce que ce sera? Pour se mettre du côté positif, si on réussit bien, qu'on fait de bonnes études et tout ça, on peut avoir un bon travail, un travail qui nous plaît. Pas un travail où on y va en reculant. Enfin, après, on s'imagine tout mal, mais s'il faut, quand on sera... s'il faut, quand on sera... Quand on aura 30 ans, et bien... Il y aura plein de nouvelles choses qui se seront installées et notre vie sera meilleure qu'aujourd'hui.